On aurait dû prendre une grande boîte de chocolat. Une petite, ça fait radin. Relax, on va dîner chez ta tante, pas chez la reine d'Angleterre. Vous montez? Non, merci. Je prends l'escalier. Il y en a qui devraient en prendre de la graine. Oui, oh, facile à dire, toi tu voles. Pourquoi faut toujours qu'il pollue les ascenseurs avec ses musiques moisies? C'est rien, t'inquiète. On repart, 5e étage. Allez. On va plutôt appeler le dépanneur, hein? Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel. T'es malade? C'était notre seul moyen de communiquer avec l'extérieur. Et voilà, comme neuf. On va bientôt manquer d'oxygène. Kagako! Les murs! Aide-moi! Vite! Je vais plus pouvoir tenir très longtemps. C'est dans ta tête, Hubert. Ça va aller. Fais le petit chien. Là, c'est bien. T'inquiète, on va pas mourir. Enfin, pas tout de suite. Peut-être qu'il s'est passé un truc dehors. Peut-être qu'on est les derniers survivants de la planète. Et que des hordes de zombies errent dans les rues à la recherche de cerveaux. Peut-être que le dernier disque sur Terre est un album de Bossa Nova. Oscar! Si les choses tournent mal, je te lègue ma collection de cravates. Pourvu qu'on s'en sorte. Et je veux bien qu'on donne mon nom à une école primaire. Non, plutôt un rond-point. Arrête! La seule chose qui portera ton nom, c'est la une des magazines quand on sortira d'ici. Tu seras un héros. Les filles vont te tomber dans les bras. Tu crois? Je vais devoir vous faire du bouche à bouche. Non, Jennifer. Mon amour. Passe-moi le chocolat! J'ai faim! C'est pour ma tata, ça se fait pas d'arriver les mains vides. C'est pour ma tata, j'ai dit. Non, mais on pourrait ouvrir la boîte, manger le premier étage, refermer la boîte et rien dire à personne. Ok! On n'aurait pas dû manger tous les chocolats. On aurait dû prendre une grande boîte. Je veux que tu saches, t'es une chouette copine. Moi aussi, je t'aime bien, tu sais. Un jour, j'ai utilisé ta guitare comme une pelle à tarte. J'ai cassé la tondeuse en faisant du kart avec. Une tondeuse toute neuve? Ma guitare de collection! Dire que j'étais prête à donner ton nom à un rond-point! Et moi, à te léguer ma collection de cravates! Je crois qu'on s'est tout dit. Problème!
Là, regarde. Une porte de sortie. Alors? Je vois rien, c'est noir comme dans un four. Attends. Je viens avec toi. Il le prend pas mal, mais t'as pris un peu sur les hanches dernièrement. Pour moi tenir jusqu'à ce que je ramène les secours. Kakako! Hubert! Service de maintenance, que puis-je faire pour vous? On est bloqué dans l'ascenseur. À votre service. Bonne journée. Yes! Hello! Vous avez l'air en pleine forme. Désolé pour le retard. Tu devais être morte d'inquiétude. Bon, penses-tu? Bon, 5 minutes, c'est rien. 5 minutes? Mais ne restez pas à l'entrée. Vous aimez la bossa nova, j'espère? Moi, j'adore. Cravate, ok. Bûche glacée, ok. Extincteur, ok. On va chez ma tante, pas au bal des pompiers. Elle a quand même mis le feu à sa perruque en sortant son rôti du four la dernière fois. Bah, qu'est-ce que t'attends? Rappelle-toi. Pourquoi faut toujours qu'il pollue les ascenseurs avec ses musiques moisies? L'escalier. Ça va aller? Il y a 5 étages quand même. Je suis ceinture noire de haute montagne. Même pas peur. Cool. Bah alors, t'arrives? J'avais juste oublié mon gel capillaire dans la voiture. C'est pour ça. Bon, ben, grouille! Me voilà! Super! Ça va, t'es sûr, hein? Impec! Je cherchais juste ma lentille! Je l'ai retrouvée, c'est bon! On dirait plutôt un vieux chewing-gum. Bon, après toi, les demoiselles d'abord. Plus que 4 étages. On tient le bambou. Alors tu vois, j'y arrive. Hubert. Oui? Tu vas y arriver, mais pas vivant. Tu persistes à douter de mes capacités. Je vais finir par me vexer. T'es aussi à l'aise qu'un éléphant de mer au marathon de New York. C'est une grue qu'il te faudrait pour monter là-haut. Ta tante est prévenue qu'on arrive dans 2 semaines. Tu veux pas que je te porte plutôt? Ça va? Tu m'as pris pour un petit vieux ou quoi? Salut les jeunes! Doit y avoir des vitesses là-dessus! Ah, voilà! T'es resté en première! Là, ça devrait aller mieux. J'ai plus le choix.
malade! C'est beaucoup trop dangereux! Si je reste bloqué, tu diras à Tata que j'ai tout essayé. Tu crois que je vais te laisser faire? Tu crois que tu représentes rien pour moi? Hubert, t'es mon ami, tu piges ça? Jamais je te laisserai tomber! On est comme les 12 doigts de la main tous les deux! Mon frère, t'imagines pas tout ce que je suis prête à faire pour... Oh, salut! Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais chercher du pain. Non, c'est dingue, moi aussi! Je vous accompagne. Donc je disais, arrête de faire ton malin, on passe par l'escalier et puis c'est tout. J'espère que t'as une idée de génie. Parce que la bûche est en train de nous lâcher! Ok, on va tout donner. Dégagez! Laissez passer! Elle tient le coup! Plus pour très longtemps, ça va aller? Tu veux que je mette la clim? Pourquoi tu t'arrêtes? Les pédales sont coincées! Non! Fonce! Tu pouvais pas me faire des chaussures? C'est plus joli comme ça! Maintenant démarre, j'active le turbo! Mais pas chez Tata au cinquième? Votre Tata a déménagé au rez-de-chaussée. Vous êtes chez ma tante à qui je suis venu rendre visite. C'est nous. T'aurais pu nous prévenir que t'avais déménagé au rez-de-chaussée. Vous étiez pas au courant? Oh, j'en avais ras-le-bol de cet ascenseur. Toujours en panne, une vraie cata. Le seul truc que je regrette, c'est sa musique. Heureusement, j'ai acheté le disque. Tadam ! Ouah, une porte! Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé un truc aussi dingue. Cool, hein? Ascenseur dernier cri. Rapide, sûr, pratique, donc parfaitement essentiel. On l'essaye? Ouais, je comprends que ce soit pénible pour toi de monter les escaliers. Mais pour moi, petite fée légère et insouciante, c'est tellement facile. Très bien, reste à la porte du progrès si c'est ton désir. Bon vol! Veuillez actionner la procédure de démarrage. Je voudrais monter au premier. Procédure inconnue. Veuillez consulter le mode d'emploi. Ah. Salut. C'est un truc de malade! J'ai le groin chaud. Je m'étais jamais rendu compte. Mais d'où il vient? Non mais si ça se trouve, t'as ouvert une faille spatio-temporelle avec ton ascenseur du futur! Elle a de l'imagination, la petite. Ah, ça,
Faut voir ce qu'elle invente parfois. Ça fatigue à force, non? On s'y fait. C'est quoi ton dessert préféré? Flan coco. Comme moi? C'est fou! J'adore! C'est tellement drôle! Chic, non? J'allais le dire, est tellement moderne. Tu viens avec nous ou tu persistes à vivre au Moyen-Âge? Je viens! Vers le futur et au-delà! Démarrage désactivé. Limite de charge dépassée de 5 grammes. Vous avez entendu, les gars? Il y en a un qui va devoir sortir. Salut les copains! Allez, tous ensemble! Salut les copains! Oh! Démarrage désactivé. La charge minimale doit être supérieure à 5 grammes. Tu me cherches quoi? Allez, démarre! Moi aussi, je veux mon double! Ben voilà, suffit de discuter, on n'est pas des sauvages. Salut! Comment ça va bien? Laissez tomber. Toi, tu sais où il est, Hubert? Ouais. Dans ta culotte. Allô, police? Et souci, mademoiselle? Allô? Rendez-vous dans trois quarts d'heure, Rousseau, face au rocher des singes. Mais qui? J'espère que personne ne vous a suivi. J'ai pris mes précautions. Maintenant, j'ai besoin de savoir où je mets les pattes. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui revient de loin. Super! Malheureuse, tu vas nous faire repérer. Mais t'es malade de partir comme ça sans prévenir. Je me suis fait du souci. J'avais pas le choix. C'était l'enfer. Ils ont commencé par me piquer mes chaussettes. Ils ont vidé mes boîtes de raviolis grouilles et les imbus. Le cauchemar n'en finissait pas. Ils ont ruiné mon stock de lacs professionnels. Sans parler de... Non. C'est trop dur. Je peux pas en parler. Ils ont utilisé ta brosse à dents, c'est ça? Oui! Allez, viens, Hubert, on y retourne! Faut arrêter ce satané ascenseur avant que le monde ne soit envahi de cochons crétins! T'as raison! On va pas se laisser faire! J'ai comme un doute. Salut, copain. Les pleutres. Ils préfèrent la fuite au combat. C'est un peu plus compliqué que ça. Suite à une erreur, nos services vous ont livré un projet de photocopieuse moléculaire de type confidentiel. Toutes nos excuses. Ça veut dire que vous travaillez sur un programme militaire ultra secret, c'est ça? On est des espions, alors? En quelque sorte. Je prends le coupé sport avec les lance-missiles dans le pare-chocs. Et moi, le costume ultra classe et les abdos en acier.
C'est quoi ce truc? Oh, rien. Juste un effaceur de mémoire.